commençons par les invités. Let's start by invitees. Si tu es un invité, lève ta main. If you are being invited, raise up your hand. Tenez-vous debout, je vais vous bénir. Stand up and I will bless you. Je veux parler des choses spirituelles. I can talk about, I will talk about spiritual things. Les choses, lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 2. Read for us 1 Corinthians chapter 2. Verset 14. Verse 14. Si on ne vous bénit pas, vous pouvez rentrer comme vous êtes venu. If you don't bless you, you can go back home as you came. Vous devez rentrer béni. You have to go back being blessed. Vous devez un jour rendre témoignage. You have to testify one day. Que vous avez vu la main de Dieu. That you saw the hand of God. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. La Bible dit que quand tu parles des choses spirituelles, the Bible says, à l'homme qui vit encore dans le péché, il n'entend, il ne comprend pas. The Bible says, when you talk about spiritual things to the one who is still living in the sin, he can hear, but he doesn't understand. Donc tu peux lui dire, ne fume pas la cigarette. Il rit même. Il se dit que tu dois avoir un problème. You can tell me, don't smoke cigarette. He can even laugh at you, thinking that you have a problem. Tu dis à une jeune fille, reste tranquille, attends le mariage. Elle pense que tu es fou. You can take to a young lady, remain calm, wait for marriage. She can believe that you are mad. Pourquoi? Why? Parce que ce sont des choses spirituelles. Because these are spiritual things. Donc je veux prier Dieu. So I pray to God. Qu'il ouvre vos oreilles. For you to open your ears, les oreilles spirituelles, your spiritual ears, pour que même en très peu de mots, so that even in very few words, vous soyez touchés, you be moved. Très peu de mots, very few words, sans vous flatter, without any flattery. Parce que si on vous flatte, because if we lie to you, vous perdez la bénédiction, you lose the blessing. Dieu ne veut pas les gens qu'on flatte. God don't want people, God doesn't want people that we lie to. On te dit chante un cantique à Dieu, on te donne 1000 francs. He says, sing a song to God and they give you 1000. Pour adorer ton Dieu, to worship your God, on n'a pas besoin de te supplier. You don't need to be besought. C'est toi qui devais demander pardon, expliquez-nous les choses de Dieu. You are the one who must ask, please explain to us the things relating to God. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec vous. May the grace of God be upon you. Que vos oreilles soient ouvertes. May your ears be open. Que la faveur de Dieu, la bonté de Dieu soit sur vous. May the favor and the kind of God rest upon you. Que même si on t'a mis sous un rocher, even you were put under a rock, pour que la parole ne t'atteigne point, so that the word do not touch you, que ce rocher soit brisé. May that rock be broken. Que la parole de Dieu te sorte de ce trou. And may the word of God get you out from that. Que ton cœur s'attache au Seigneur Jésus. So that your heart, you be bound. Et que les démons qui te suivaient comprennent que tu es parti. And the demon that have been following you understand that you have fled. Qu'il ne te suive plus jamais. So that I will not follow you anymore. Jamais. Never. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Lis pour nous Jean chapitre 3 verset 16 à 21. Read for us John chapter 3 from verse 16 to verse 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, mais what if God says, que l'amour de Dieu pour l'homme est très grand. That the love of God for man is very great. C'est un amour très grand. It is a very great love. Cet amour, that love, amène Dieu à tout faire. Lead God to do everything. Pour que tu n'ailles pas dans le lac de feu. For you not to go into the lake of fire. Il y a un endroit qu'on appelle le lac de feu. There's a place which is called the lake of fire. La Bible dit que Dieu a créé le lac de feu pour le diable et les démons. The Bible says God created the lake of fire for the devil and his demons. Et parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Because he wants men to be saved. Il a envoyé Jésus. He sent Jesus. Pour dire aux hommes. To tell men. De sortir des ténèbres. To come out of darkness. Les ténèbres ici c'est quoi? C'est la vie du péché. What is darkness here? It is life of sin. Donc, so, Dieu a dit à son fils. So God told his son. Va dans le monde. Go into the world. Dis aux pécheurs de sortir de l'obscurité. Tell sinners to come out of darkness. C'est pour cette raison que la parole dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. This is why God, the Bible says, God so loved the world that he gave his only son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So that whoever believes in you will not perish, but will have eternal life. Et la parole dit, and the word says, au jour du jugement, at the day of judgment, ce que Dieu va demander aux hommes, what God will ask from man, Dieu ne va pas te dire, tu es adultère, donc je te juge. God will not say, since you commit adultery, and then I will judge you. Il va te dire, he will tell you, pourquoi tu as refusé Jésus que j'ai envoyé pour te délivrer de l'adultère? Why did you refuse the Jesus that I sent to you to deliver you from adultery? Why? Tu ne pourras pas dire à Dieu, c'était plus fort que moi. You could not tell God, it was beyond my strength. Dieu sait que c'est Jésus qui peut te délivrer du péché. God knows that it is Jesus who can deliver you from sin. Et il a envoyé Jésus. And he has sent Jesus. Quand on te parle de Jésus, tu fuis. When you talk about Jesus to you, you run away. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? And what does the Lord say? Les gens fuient parce qu'ils veulent vivre dans le péché. The man runs away because they want to live into sin. Que ceux qui veulent vivre dans le péché fuient la lumière. So those who want to live in sin run away from light. Ils veulent cacher leurs œuvres. They want to hide their work, their deeds. Et ils trompent les gens. And they deceive people. Et dit, moi je suis musulman. That I'm a Muslim. Moi je suis catholique. C'est faux. Le problème, c'est qu'ils veulent vivre dans le mensonge, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, la fornication. Ils aiment le péché. It's not true. The problem is that they want to live into adultery, into fornication. Ils sont dans les haines, les jalousies. They're living in hatred and jealousy. Et ils vieillissent dedans. And they get hold in it. Quand tu parles du péché, when you talk about sins, ils fuient. They run away. Ils commencent à chercher d'autres églises. They start seeking other churches. Et celui qui aime la vérité sort des ténèbres. He said, the one who loves the truth come out of darkness. Il sort des ténèbres. He comes out of darkness. Il abandonne le péché. He forsakes sin. Donc ce soir, so tonight, mon ami, my friend, tu vas faire ce que le diable ne savait pas que tu venais faire. You do what the devil did not know that you have come here to do that. Tu vas donner ta vie à Jésus. You give your life to Jesus.
Tu vas dire à Jésus. You tell Jesus. Si je te fuis. If I run away from you. Si je me cache dans les ténèbres. If I hide in darkness. Au jour du jugement. At the judgment day. Je serai exposé. I will be exposed. Aux flammes. To the flame. Aux flammes. To the flame. Aux flammes. To the flame. Pour rien. For nothing. Pourquoi? Why? J'ai fui Jésus. Because I run away from Jesus. Je voulais cacher le péché. Because I wanted to hide sins. Je voulais vivre dedans. I wanted to live in it. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. He said, Lord, forgive me. Seigneur, pardonne-moi. He said, Lord, forgive me. Dis à Jésus, ça fait depuis tu m'appelles. J'accepte aujourd'hui, j'accepte. Tell Jesus, you have been calling me since long. I will accept you today. Le Seigneur Jésus disait, the Lord Jesus was saying, que servirait-il à un homme? What does a man gain? De gagner le monde entier. The whole world. Si se perdait lui-même. If he loses himself. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a une couronne sur sa tête, que c'est la couronne de l'adultère? Have you ever seen someone who has a crown on his head? This is the crown of adultery. Quand il marche, on acclame. When he walks, people clap. La Bible dit que ce sont les choses honteuses. Les gens se cachent, donc ça ne vaut même pas la peine. People, the Bible says these are shameful things. People hide, so there's no need for that. Mais quand on se marie, but when you get married, on invite les parents. You invite parents. On invite les amis. You invite friends. On coule les habits des parents. You see the clothes of the parents. On est heureux. You are happy. Donc il y a la musique, la nourriture. There is music and food. Tout ce que Dieu a créé pour nous est bon. All that God created for us is good. Quand il y a même quand tu entends le mot mariage, ça sonne beau à l'oreille. When you hear the word marriage, it sounds nice to your ears. Quand tu entends concubinage, ça toi-même tu as honte déjà. When you hear concubinage, que ma part là, c'est concubinage, pour l'autre c'est mariage. That my part is concubinage, for others is marriage. Je suis marié. Say married people. Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Hallelujah. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. If you want to give your life to Jesus, raise up your hand. Venez devant. Come forward. Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant ici. If you want to give your life to Jesus, come forward here. C'est par là qu'on va commencer. It is here that you que start. Tout cela vient devant ici. All those who come here. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez ici. All they want to give their life to Jesus should come here. Oui, acclamez. Yes, clap. Venez. Come. C'est merveilleux. It is marvelous. Et les autres, venez rapidement. What about others? Come quickly. Si tu refuses, if you refuse, tu peux déjà rentrer chez toi. You can even go home. Parce que quelqu'un qui refuse Jésus ne doit même pas rester pour prier. Because someone who refuses Jesus must not even remain to pray. Et c'est ça qui est la vérité. And this is the truth. Mais les gens ne savent pas. But people don't know. La Bible dit que si quelqu'un refuse la loi, refuse la parole de Dieu. The Bible says if someone refuses the law, the word of God, il prie, il pêche. If he prays, he sins. Si tu es rétrograde, ne perds pas le temps, tu viens seulement parce qu'on va prier. If you are backslider, don't waste time. Tu n'attends come, pas. Dina. Come, because we are going to pray. Quelqu'un qui marchait avec Dieu qui est tombé, tu te lèves, tu reviens. Somebody who walk with God and fell, stand up and come. Tu reviens. You come back. Toi qui vis encore dans la masturbation, le mensonge, ne te cache pas. Sors des ténèbres et viens. You are still living through masturbation and lies. Don't hide yourself. Come. Même si tu es avec un ami qui croyait que tu es très sérieux. Sors des ténèbres et viens. Even you are with a friend who believe that you are very serious. Come out of darkness and come. Je veux déjà arrêter. I want to stop. Si tu dois venir, viens maintenant. If you want to come, come now. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est caché quelque part?
is someone who's hidden somewhere. Le diable lui dit, ne va pas, ne va pas. The devil is telling him, don't go, don't go. Lève-toi et viens. Stand up and come. Secoue le joug du diable. Secoue son joug. So shake the yoke of the devil. Lève-toi et viens. Break it and stand up and come. Le Saint-Esprit me dit, attends un peu. The Holy Spirit is telling me, wait a bit. Lève-toi et viens. Rise up and come. Rapidement. Quickly. Oui, viens. Yes, come. Que ta vie soit transformée. May your life be transformed. Que les chaînes soient brisées. May the chains be broken. Sois plus jamais la même. You never be the same again. Lève-toi et viens. Rise up and come. Dieu connaît tout le monde. God knows everybody. Je voulais arrêter, mais dis attends. I wanted to stop, but he told me, wait. Le salut est précieux aux yeux de Dieu. Salvation is precious ton before salut. God. Your salvation. Lève-toi et viens. Rise up and come. Ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas nombreux. Ne regarde pas à gauche, à droite. C'est de toi le Seigneur parle. Don't think that there are many people. Don't look at left and right. It's you that the Lord is talking about. Que l'équipe de délivrance vienne récupérer. May the team of deliverance come and take air. Vite, viens, donne ta vie à Jésus. Let's come and give your life to Jesus. Le salut est une chose très sérieuse. Salvation is a very serious matter. Où es-tu? J'ai 2 minutes. How 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est jour de grâce. Si tu es décidé, pendant que tu écoutes le chant, tu te lèves, tu viens. If you are moved while you listen to the song, you rise up and come. L'instant qui passe, ce bonheur qui t'est demandé, il mourut à Golgotha. Fais comme lui. Do as he did, he's doing. Pour toi et moi. Le Saint-Esprit m'a dit, attends encore. The Holy Spirit tells me, wait again. Il mourut pour toi. Attends moi. Encore. Wait again. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Mon Seigneur veut te sauver. Je brise les chaînes. I break the chains. Satan, retire-toi au nom de Jésus-Christ. Satan, retire-toi au nom de Jésus-Christ.
Que les vieilles soient libérées. May their life be released. De toute emprise. From any grip. Cette prière a libéré quelqu'un. Si tu es prêt, lève-toi, tu viens. That prayer has released someone. If you are ready, rise up and come. Pour toi et moi. Il y a quelqu'un qui vient d'être libéré par cette prière. There's someone who has just been released by that prayer. Où es-tu? Where are you? Pour toi et moi. Sur Jésus qui te pardonne tes péchés. Les 1 minute tendent à finir. 1 minute is about to finish. Ton noir passé, Jésus mourut. Et Golgotha, il mourut pour toi. Merci. Thank you. Vous avez vaincu le diable. You have overcome the devil. Si quelqu'un devait se lever, if someone was to rise up, et il a refusé, and he refused, il peut rentrer déjà. He can go home now. Parce que les prières de combat sont des prières qu'on élève en tant qu'enfant de Dieu. Because the prayers of fight. A prayer that you raise up as children of God. Et c'est moi qui dirige. I am the one leading. Je peux dire, proclamons que nous aimons Jésus. I can say, let us proclaim that we love Jesus. Donc si c'est faux, tu rentres maudit. Then if it is not true, you go back home being cursed. C'est pour cette raison que nous commençons par donner la chance à chacun de se réconcilier avec Dieu. This is the reason why we start. By giving the opportunity to each one to give his life to Jesus. Si tu refuses de te réconcilier avec Jésus, tu peux déjà partir maintenant. If you refuse to reconcile yourself with Jesus, ou bien tu changes de camp. Ce n'est pas le chantage, c'est ça qui est biblique. C'est ce qu'on devrait faire. Or you can change the camp. It's not a blackmail. It's what is Bible from the Bible. It's what you need to do. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Qui lève la main là-bas? Who raises up his hand over qui there? Veut se rattraper? Who wants to catch tu te lèves, tu viens. You rise up and you come. Sans orgueil. Without any pride. Et si tu es un vrai enfant de Dieu? And if you are a genuine child of God. Et le Saint-Esprit te dit, il faut devenir membre de la CMCI. Tu entends ça? Dans ton esprit. And the Holy Spirit, lève la main. And the Holy Spirit is telling you, let us become a member of CMFI. We hear you very well in your spirit. Rise up and come. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there anyone? Tu reçois qu'il faut rejoindre la CMCI. Dieu te parle. You have the feeling you have to join CMFI. God speaks to you. Oui, venez, venez, venez. Yes, come, come. Venez, venez, on va commencer. Yes, come, come, and you start. Levez vos mains. Raise up your hands. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce côté? Is there someone from this side? Si quelqu'un doit venir, qu'il vienne parce que on doit commencer la prière. If someone has to come, he should come. Acclamation à Jésus Christ. Clapping to Jesus Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté là-bas? Is there someone from that side? Okay. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. Il faut parler. I give my life to you. Prends-moi maintenant. Take me now. Lave-moi. Wash me.
Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Répétez tout ce que je suis en train de dire, mais vous acceptez ça. Repeat all that I'm repeating, but you accept then. Ça c'est la première formule de la prière. This is the first formula of prayer. La prière a plusieurs formules. Prayer has many formulas. La première formule c'est que on met les paroles dans ta bouche. The first formula is that they put words into your mouth. Quand Jésus enseigne, il dit, quand vous priez, dites. When Jesus was teaching, he said, when you pray, say. Notre Père qui est au ciel. Donc vous répétez ce qu'on a mis dans votre bouche. So you repeat what you put into your mouth. C'est efficace. It is efficient. C'est-à-dire, moi je suis un homme de foi. Donc quand je dis, so I'm a man of faith. Tu répètes avec la même foi, Dieu te bénit. I'm a man of faith. So when I say, you repeat. You the same faith. Oh Jésus. So oh Jesus. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive me all my sins. Pardonne-moi les mauvaises pensées. Forgive me my evil thoughts. Pardonne-moi toutes les mauvaises paroles. Forgive me all the bad words. Pardonne-moi toutes les mauvaises actions. Forgive me all my bad actions. Qui ont caractérisé ma vie jusqu'à ce jour. Who have characterized my life until today. Oh Jésus. Oh Jesus. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Parce que tu le fais pour moi. Because you did it for me. Tendez les mains et séparons-les de la malédiction de la famille. Stretch up your hand and let's separate them from the curse of the family. La sorcellerie, les envoûtements. Or witchcraft and bewitchment. Demandons que les plans de Dieu s'accomplissent pour chacun. Let us that the plans of God for them should be accomplished. Prions ensemble. Let's pray together. Oh Seigneur Jésus. Nous les séparons de toute malédiction. Nous vous séparons de toute malédiction. Nous vous séparons de l'idolâtrie. Nous vous séparons de tous les mauvais esprits qui vous ont suivi jusqu'à ce jour. Nous brisons le jour. Nous brisons le jour. Nous chassons tous ces mauvais esprits. Nous chassons toute maladie. 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 Que la mort et le séjour de mort se retirent. May death and shadows go back. Alléluia. Amen. Amen. Donnez-leur des places. Give them some places. Maintenant. Now. Nous allons passer au combat spirituel. We go to the spiritual warfare. Et comme j'ai dit. And as I said. Si quelqu'un. If someone sait qu'il a dit non à Jésus à cause du péché, knows that he says no to Jesus because of sin. Quand je veux dire, levons-nous, que cette personne reste assise pour son propre bien. When I say, let us stand up, may that person remain seated for his own benefit. Parce que quand tu dis non à Jésus, because when you say no to Jesus, si tu ouvres la bouche pour prier, if you open your mouth to pray, tu pèches, you sin. Est-ce que nous sommes? Are you together? Personne ne te trompe. May no one deceive you. Il y a plusieurs réunions dans l'église. Il y a les réunions d'enseignement. There are many meetings in the church. We are the teaching. Une réunion d'enseignement. Tu peux t'asseoir. On enseigne. Tu écris. Si tu veux. Si tu ne veux pas, tu laisses. A meeting of teaching. You can be seated and you write. If you want, you write. If you don't want, you leave it. Mais une réunion d'adoration. Il y a les réunions d'adoration. But you have the meeting of worship. Tu peux rester la bouche fermée. You can remain your mouth be closed. Mais il y a les réunions de combat spirituel. Then you have a meeting of spiritual warfare. Quand je veux dire, lève ta main. When I say, rise up your hands. Dis, oh Dieu. And say, oh God. Merci. Thank you. Parce que tu m'as pardonné. Because you spoke to me. Si c'est faux. If it is not true. C'est toi qui rentres avec les problèmes. Inutile. You are the one who will go home if you have useless problems. Et le Seigneur m'a révélé que quand je dois faire les prières de combat, que j'explique ça pour que beaucoup ne rentrent pas étant maudits.
And the Lord told me, if I want to make the spiritual warfare, I should explain all this so that many people will not go back being cursed. Donc tu restes assis. So you remain seated. Tu ne demandes rien. Personne ne va te déranger. Tu fermes ta bouche, tu restes assis. You ask nothing. No one is going to trouble you. You close your mouth. Le jour où tu vas te convertir. The day you get converted. Tu auras le droit de dire Père. You have the right to say Father. Sans mentir. Without lying. Quand une petite masturbation est encore là. When a small masturbation is still there. Et la cigarette et la drogue. And cigarettes and drugs. Quand les enfants de Dieu disent Père, toi aussi tu dis Père. When the children of God say Father, you too, you say Father. Ça ne sera pas bien pour toi. It'll not be good for you. Sauf si tu changes de décision. Unless you change your decision. Dans ce cas, tu ne le fais pas en cachette. In that case, don't do it in a hidden place. Là aussi, c'est une loi spirituelle. Over there, then that too is also a spiritual law. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, the one will be ashamed of me before j'aurai men. Honte de lui devant mon Dieu et devant ses anges. I will be ashamed of me before God and the angels. On n'accepte pas Jésus sous le lit, dans un trou. You don't accept Jesus under the bed or in a hole. Il est mort à la croix. Tout le monde le voyait crucifié. He died at the cross. Everybody saw him. Crucified. Qui veut changer de décision? Who wants to change his avant decision? Que je n'engage la prière. Before I start the prayer. Lève la main. Raise up your hand. Viens. Hein? Oui. Est-ce... Qui veut changer de décision? Who wants to change his decision? Lève ta main. Raise up your hand. Est-ce qu'il y a un rétrograde qui a peur de donner la vie à Jésus parce qu'il pense qu'il va retomber dans le péché? Is there any backslider who is afraid of giving his life to Jesus because he is afraid that he will fall back into sin? Lève la main. Raise up your hand. Où est cette personne? Where is that person? Lis pour nous. Read for us. Ézéchiel. Ézéchiel. 13. 13. Verset 18 à 20. From verse 18 to verse 20. Le dossier sur l'envoûtement est un dossier très lourd, très important. The matter about bewitchment is a very heavy and serious matter. Nous allons bombarder ce soir. We are going to bombard this evening. Écoutez la lecture. Ézéchiel chapitre 13, du verset 18 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles sur la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès du peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Verset 20. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elle s'envole. Amen. Qu'est-ce que le passage ici dit? What are the passage is saying here? Reprenons. Commence au verset 18. Read again. Start by verse 18. Ça, et vous savez, la Bible
n'est pas là pour dire comment on sert le diable. The Bible is not there to say how you serve the devil. Mais il y a des révélations. But there are revelations qui peuvent montrer ce qui se fait dans le royaume du diable. We can show what is being done in the kingdom of the devil. Dieu montre juste une image. God just shows an image. Pour que son peuple ne soit pas ignorant. For his people not to be ignorant. Lis le verset 18. Read verse 18. Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Dieu qui est assis sur le trône. God who is seated on the throne. Il voit comment les marabouts donnent les amulettes, les coussinets, là, ce sont les amulettes. Ça peut être une corde qu'on te dit de porter au bras. He sees how fetish people give the things that they call to put around your hands. Pour certains, ce sont des ceintures pour les hanches. For others, it is a belt. Les femmes aiment ça. Women like them. Parfois, on te donne, on te dit de mettre sur ton bébé, d'attacher. Sometimes they give to you, say, put it on your baby and tie it. Parfois c'est des voiles. Tu penses que c'est simple foulard. For others it is a veil. You think that it is a simple veil. Le Seigneur dit que ces choses-là te sont données pour t'envoûter. The Bible says all those things are given to you to bewitch you. Il dit pour le cas spécifique. For that specific case. Pour ce cas spécifique d'Ézéchiel, il dit que ces coussinets permettaient aux sorciers de prendre ton âme et de faire en sorte que ton âme s'envole comme l'oiseau. For that specific case, tu es couché là, tu dors, mais tu es dehors comme un oiseau, tu voles comme les chauves-souris. For that specific case of Ezekiel, that thing was given for you, so that your soul, even if you are dead, you'll be flying as a bird. Relis encore. Read it again. Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Continue. Verset 19. Continue. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple. Qui écoutez. Écoute. Listen. Quelqu'un peut discuter. Someone can discuss. Il y a des gens qui aiment discuter. There are people who like discussing. Mais le Seigneur dit, but the Lord says, que ces gens-ci, that those people, échangent les âmes des hommes. Exchange souls of men. Quelqu'un est malade. Someone is sick. Qu'il doit mourir. He must die. On amène quelqu'un qui se porte bien. They bring someone who feels well. Et on lui donne l'âme de la personne qui doit mourir. And they give him the soul of the one who was to die. La personne qui devait vivre encore longtemps meurt. The one who was to live again dies. C'est Dieu qui veut ouvrir tes yeux. It's God who wants to open eyes. Quelqu'un te dira que ce n'est pas possible. Non, ça c'est non, ce n'est pas. Dieu dit que les gens font ça. Somebody can tell me it's not possible. Les devins. Now God is telling that men do that. So diviners, riches. On va, on leur donne l'argent. You go to give them money. Il y a des gens à qui on a dit, viens vite, ton père va, viens vite. Now some people they told them, come quickly, come quickly. Your father is about to die. Tu arrives, lui est guéri. Toi tu tombes malade. When you arrive, he is healed and you die. La personne qui agonisait devient normal. Les autres qui sont venus pour pleurer tombent malades. Et un s'en va, il meurt. And those things are normal. So people who have come to cry, they fall sick, want to go, one die. J'ai un témoignage. I have a testimony. Il y a un frère. There's a brother. Qui était gendarme. Who was a gendarme. Après un accident de circulation grave,
After a very serious accident of circulation, où il avait failli laisser sa vie, or when he was about to die, il avait décidé de devenir rosicrucien. He decided to become a member of Rose Free. Je ne vous dirai pas dans quelle nation. I will not tell you in which nation. À cause de la paix. Because of peace. Mais il a vu le patron de la Rose Croix de ce pays-là. And he saw the boss of that set of that country. Et il lui a dit. And he told him. Regarde comment les sorciers ont failli me tuer. Look how witches nearly killed me. Je veux devenir rosicrucien. I want to become a member of that set of Rose Croix. Écoutez ça très bien. Listen to that carefully. Le patron de la Rose Croix lui a dit. The boss of the Rose Croix told him, va à l'église. Go to church. Pour toi là. For your case. Va à l'église. Go to church. Avec Jésus. With Jesus. C'est automatique. It is done automatically. Je ne vous parle pas de fables. I'm not talking to you about fables. Ou des mythes. Or myths. Une histoire vraie. A true story. C'est moi qui avais baptisé ce gendarme. I was the one who baptized that gendarme. C'est lui qui m'a mené chez le frère Théo qui est à Bosso. J'ai prêché à Théo, il a cru. He was the one who sent to brother Théo, that missionary in Abosso, I preached and believed. Et ce monsieur lui dit, and that man si told tu him, viens chez nous, if you come to us, qu'est-ce que nous allons faire? What are we going to do? Nous te donnons un talisman. We give you a fetish qui peut voler l'aura, il a appelé ça l'aura des autres. S'il y a un accident, il vole l'aura des autres, il te donne. Donc tu te retrouves dehors et il meurt. Who can steal the blessing of others? In an accident, you steal and you find yourself outside and the rest dies. C'est le même principe que Dieu dénonce là. It is the same principle that is being tu described. Tu es dans la voiture avec les gens. You are the same car with men. Et il y a quelqu'un qui doit mourir. And there was someone who was to die. Tu as une chaîne ou bien une la mulette, je ne sais pas ce qu'on te donne. You have tu a chain. Le talisman sur toi. Or a fetish at dès your que boom. Ça fait boom, ça prend la vie là-bas. As soon as it makes boom, it takes the life of someone. Mais toi, tu sors l'autre part. You go outside and the other one dies. Ce sont les techniques d'envoûtement de haut niveau. This is the techniques of bewitchment at a high level. Et il lui a dit, quand tu vas aller à l'église, and he told him, when you go to church, ne reste pas derrière. Don't remain behind. Sois devant. Be at the front. Ça ne veut pas dire, asseyez-vous devant. Ça veut dire, ne sois pas fleque-fleque. It doesn't mean I should be sitting in front. Sois devant. Don't be a weak one. Et il be lui a, a strong il, man. Il lui a donné le nom de quatre églises où il pouvait aller. And he gave him the name of four churches where he can go. Vous voyez? Can you see? Même le sorcier sait. Even the witch knows. Quelle est l'église qui peut lui créer les problèmes? What is the church that can create him problem? Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Il faut écouter ça. Listen si to that. Tu es en Jésus, assois-toi. If you are Jesus, be well seated. Les gens vont te tromper là. On va te délivrer. On te délivre. People, les esprits reviennent fois sept. People will deceive you. You have to deliver. You deliver you, and the seven other spirits come. Pourquoi? Why? Tu as refusé Jésus. Tu es allé t'asseoir au fond. Tu dis je suis à l'église. You refuse Jesus and you want to sit at the back. You say on I'm at church. Voler ta bénédiction. Ça, c'est ça que Dieu dit là. Your blessing voler. Can be stolen. This is what God is saying. Tu es béni, béni, béni. Quelqu'un va y pratique. You are blessed, blessed. Somebody goes and he practices. Après, vous passez au même endroit. After that, you the same way. On ne te regarde plus. C'est lui maintenant.
Comment ça va? They don't look at you. How do you feel? Faut m'appeler. Call me. Tu dis, moi, je te donne mon numéro aussi. Dis non, non, attends. Vous avez dit, my number too. Say, oh, no, no, no. Tu demandes la relation zéro. L'autre est là, il ne demande you rien. You beg dit, the relationship. Where is that? As it work like m'appeler, that. Faut m'appeler. Say, call me. Tu dis, bon, moi aussi, je peux t'appeler. Ah. I say, how to can call you? Say, ha. Il a déjà tout pris. He has already taken all. Il y a des techniques occultes, c'est ce que Dieu condamne là. There are some spiritist techniques. Il dit, vous envoûtez les gens et puis ils s'envolent. Quand tu t'envoles là, say you bewitch people and they fly. When you fly, il y a quelqu'un qui devient riche parce que il utilise ton âme. There's someone who becomes rich because he uses your soul. Tu ne sais pas ce que le diable lui a dit. Il lui dit seulement, prends quelqu'un, tu fais voler son âme, et puis tu auras. Et puis il fait, tu t'envoles le matin, tu es fatigué, lui, il est là, la santé est remplie en lui. I don't know what the devil tells you. He takes your soul, he flies, and he becomes rich. The morning when you wake up, you are tired, and he is in good health. Donc quand on prie contre ces choses-là, ne t'amuse pas, frappe. So when you pray against those things, don't play, strike. Et je vais vous dire une chose. I want to tell you something. Quand tu lis la guérison de la belle-mère de Pierre. When you read the healing of Peter's mother-in-law. La Bible dit qu'on a dit à Jésus que la belle-mère de Pierre est malade. The Bible says they told to Jesus that Peter's mother-in-law was sick. Et Jésus est parti. And Jesus went. Qu'est-ce que la Bible dit? What did the Bible say? Jésus menaça la fièvre. Jesus threatened the fever. Ce n'était pas un démon, c'était la fièvre. It was not a demon, it was fever. Ne reste pas la fièvre, nom de Jésus. Don't remain a fever in the name of Jesus. Fièvre, va-t'en! Fever, go! Il faut prier avec énergie. Pray with energy. Il menace la fièvre. Certain fever. Je ne vais même pas parler de démons, je dis la fièvre. I didn't talk about demons, I said fever. Il y a des gens quand tu pries. Ils sont plus se prier. Quoi? What? On te dit que on t'a attaché. You have said that you were bound. Que tes diplômes sont sous un rocher. That your diplomas are under a rock. Tu souffres là pour rien. You are suffering for nothing. On va casser ce rocher. Tu and want to break that rock. Et après, on dit, on était à Atikwa. And after that, you say, you were at Atikwa. Il menace la fièvre. Il threatened the fever. Il menace la fièvre. Il threatened the fever. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te trompe. Continue la lecture. Verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent et je les arracherai de vos bras. Dieu dit qu'il va arracher les âmes. God says he snatches the weapons. Coussinets. Comme il met ça, il va casser tout ça. That you break the fetish as your people are be wearing, you break all. Continue. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Continue. Continue. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Vous voyez, et qu'est-ce? Le Seigneur dit que des pareilles personnes n'enseignent pas la vérité au peuple. The Lord said, those people don't teach the truth to souls. Quand tu vis dans le désordre, la rébellion, l'hypocrisie, ils ne te condamnent pas. When you live into rebellion, disorder,
hypocrisy. They do not condemn you. Parce qu'ils ne veulent pas que tu changes. Because they don't want you to change. Et que tu sois délivré. So that you be delivered. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Continue. Je délivrerai Continue. De vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Un. One. Il les envoûte. They bewitch them. Pour les surprendre. Se surprendre, c'est quoi? Ça to veut surprise dire que them. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. What is surprise? You do not know what happens to you. Il y a des gens, quand on vole là, c'est quoi? Quand on vole là, c'est quoi? Qui va t'expliquer? For some people, on te surprend seulement. When you fly, you fly, what? When you fly, you fly, what's about? Si who will explain to you? On ne t'explique même pas. On ne te dit pas que cette amulette va te faire voler. They don't even explain to you that cord around your wrist on will make you on va fly. Te protéger. On va te protéger. You say, you protect you, you protect you. Quand, si tu as un procès, tu vas parler bien. Les gens vont t'écouter. If you have a matter avec court, people, you speak well and then you win. C'est, il dit, ce sont des pièges. He said, these are traps. Et vous-même, vous savez que beaucoup d'entre nous, avant la conversion, c'est ça qu'on portait, c'est ça qui était nos bracelets, nos montres. And many of us, les parents t'amènent. Many of us, before I became Christians, what you used to wear, our watches, and the parents sent you there. La plupart ont déjà perdu leurs richesses spirituelles. Ce que l'occultiste appelle aura là, ce sont des richesses spirituelles. Most of us have lost the spiritual riches. What spiritual call it oracle? It's just spiritual riches. Chaque homme, each man, a une puissance spirituelle. Has a spiritual power. Qui fait que si le lion te voit, that makes that if the lion sees you, il y a une terreur, il y a les froids. Les animaux ont peur de l'être humain. That they are fear. Animals are afraid of human beings. Il y a une sorte d'influence spirituelle qui accompagne tout homme. There's a kind of spiritual influence that accompanies every man. Il y a des techniques occultes pour voler pour toi. That's technical from the devil world to steal yours. Tu restes faible. You remain weak. On appelle ça l'envoûtement. This is called bewitchment. Est-ce que nous sommes ensemble? How you together? On appelle ça l'envoûtement. This is called bewitchment. On peut pratiquer ça sur toi. They can practice this against you. On peut pratiquer l'envoûtement sur toi. Tu étudies, tu es un étudiant, tu étudies toute l'année. You can practice bewitchment on you. If you are a student, you study the whole year. Le jour de l'examen. The day of exam. Tu tombes violemment malade. You fall seriously sick. Ou bien tu vas étudier. Or you go to study. Pendant que les autres composent. Why others are taking the exam? Je connais au moins deux élèves. I know even two students. Le premier est parti étudier. The first one went to study. Quand il revenait, les autres faisaient les commentaires sur les épreuves de maths et français. Tout, ils ne comprenaient rien. When he was coming back, others were commenting over the test of mathematics, French, he did not understand anything. Un autre est parti s'asseoir sous un baobab qui était au sein de l'établissement. Another one went to sit under a baobab which was at the middle of a schoolyard. Et il s'est mis à réviser. Et tout était calme. And he started revising everything. All was calm. Lui il croyait qu'il arrivait avant tout le monde. He believed that he came before others. Donc il s'est assis, dit qu'il faut que je révise un peu. Then he sat, he said, let's revise a bit. Le calme se prolongeait. The calm was taking time. Le calme se prolongeait. The calmness was taking time. Quand il réalise que c'était quand même anormal, tout le monde était en classe, l'épreuve était déjà très loin. When you realize that it is abnormal, everybody was in the class. And the test was about to finish. C'est comme ça que l'envoûtement fonctionne. This is how bewitchment works. Tenons-nous debout. Let's stand up.
Tu dis, oh Père. You say, oh Father. Nous te bénissons pour ton jugement que tu nous révèles dans Ézéchiel. We bless you for your judgment that you reveal to us in the book of Ezekiel. Dis, oh Père. Say, oh Father. Tu nous montres. You show us. Que tu condamnes ces choses. That you condemn those things. Et j'ai dit que ceux qui ont refusé Jésus restent à. And I said, those who refuse Jesus remain seated. Vous sentez déjà que si vous continuez, vous allez seulement aligner les fausses déclarations et ça ne va pas vous bénir. S'il vous plaît, asseyons-nous d'abord. Please, let us be seated. If you... Là, on va se lever. Tout le monde s'assoit d'abord. Let everybody be seated first. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu restes assis, s'il te plaît. Personne ne va te créer les problèmes. If you have not received Jesus, please remain seated. Nobody will trouble you. Maintenant, on peut se lever. Now, you can stand up. Là, si tu te lèves là, c'est ton problème. Then, at that level, if you rise up, it is your problem. Dis, oh Père! Say, oh Father! Tu nous révèles. You reveal to us. Que tu es contre l'envoûtement. That you are against bewitchment. Tu nous révèles. You reveal to us. Que tu condamnes l'envoûtement. That you condemn bewitchment. Dis, Seigneur, merci. Say, Lord, thank you. Tu es bon. You are kind. Tu es juste. You are just. Tu mérites l'adoration. You deserve worship. Commence à l'adorer. Start worshiping him. Guru bakashara bakashoro bakashara baka. Dis, oh Père. Say, oh Father. Nous t'invoquons ce jour. We call on you today. Lève-toi. Rise up. Détruis ces liens. And destroy those ties. Tout ce qui a été utilisé. All that has been used. Les amulettes, les chaussures, les pains. The shoes, the wrappers. Les voiles. The veils. Tout ce qui a été utilisé. All that has been used. Que tout cela soit déchiré. May all this be torn. Déchiré, déchiré. Torn, torn. Brisé, brisé. Broken, broken. Que le feu, ton feu. May your fire, your fire. Le sang les consume. Come they consume. Continue à prier. Continue to pray. Continue to pray. Urabaka. Dieu Père, say, oh Father, libère tes enfants. Release the children. Des œuvres démoniaques. From demoniac works. Des astuces sataniques. From satanic traps. Que tous les liens d'envoûtement soient brisés. May all the places of bewitchment be broken. Libère. Release. Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que tu vas arracher ton peuple de leurs mains. That you snatch your people from their hands. Arrache tes enfants de l'oppression. Snatch your children from oppression. Arrache tes enfants. Arrache tes enfants. Snatch your children. Snatch your children. Arrache tes enfants. Snatch your children. Arrache-nous de cette méchanceté. Snatch out from that wickedness. Arrache l'enfant. Arrache l'adulte. Snatch the child. Arrache l'adulte. Arrache le vieillard. Snatch the veillant. Snatch the elder. Arrache les bébés. Snatch babies. Arrache les nourrissons. Arrache ceux qui sont dans le ventre de leur mère. Snatch those are the women. Arrache-moi les embryons, les embryons. Snatch even encore the dans ambience. Le feu de leur mère. Snatch out of the hand. Arrache, arrache, arrache. Snatch, snatch. Délivre, délivre, délivre. Délivre, délivre, délivre. Délivre, délivre, délivre. Délivre, délivre, délivre. Envoie des jugements. Bring a judgment. Contre les auteurs de ces choses. Against the author of those things. Continue à prier. Continue to pray. Gora bakashara 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 bakashara. Ora bakashar 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 baka ora bakashar bakashar baka ora bakashar bakashar baka ora bakashar baka ora bakashar baka nakashaka ba gondoro kusekere baka ora bakara baka baka
Dis ô Père, ô Father, donne les regards. You cast eyes. Sonde le sein de la terre. You penetrate the depth of the earth. Ne laisse aucun méchant. Don't leave any wicked. Exerce encore l'emprise sur tes enfants. Tu exerces des grips over your children. Tu les vois la nuit, tu les vois le jour. You see them in the night, you see them in the day. Tu les vois sous la terre, tu les vois sur la terre. You see them under the earth, you see them over the earth. Tu les vois quand ils sont dans les lieux déserts. You see them when they are in the desert places. Tu les vois quand ils sont dans les abîmes. You see them when they're in the abyss. Tu les vois quand ils sont dans les eaux ou sous les eaux. You see them when they are in the water or underwater. Tu les vois quand ils se cachent sous les rochers. You see them when they hide under the rocks. Tu les vois quand ils sont perchés au sommet des montagnes. You see them when they are placed at the top of the mountains. Tu les vois quand ils sont cachés dans les racines des montagnes. You see them when they are hidden in the roots of mountains. Tu les vois, oh Père, tu les vois. You see them, oh Father, you see them. Tu les vois quand ils sont dans les ventres des reptiles. You see them when they are in the belly of reptiles. Tu les vois quand ils sont regroupés au sein des sectes universelles. You see them when they are gathered in the universal sect. Tu les vois quand ils sont dans les petites réunions secrètes dans les villages. You see them when they are in secret small meetings in the villages. Tu vois partout, tu vois partout. You see everywhere, you see everywhere. Oh, juge de la terre. Oh, judge of the earth. Juge des vivants et des morts. The judge of the dead. Lève-toi maintenant. Rise up now. Exerce tes jugements sur la terre. Exerce le jugement over earth. Il est écrit dans ta parole. Is it written in your word? Que quand l'Éternel exerce ses jugements sur la terre, yeah, when the Lord exerces judgment on earth, les peuples apprennent la justice. People learn justice. Agis maintenant. Act now. Agis avec force. As agis with avec puissance. As with power. Agis avec amour, Seigneur. As with love. Agis avec compassion pour tes enfants. Because of compassion. Continue à prier. Continue to pray. Urabakashara bakala bakashara bakala baka. Urabakashara bakala bakashira baka. Urabakasharga la bakasharva, urabakasharga bagala kasharva, urabakasharga la bakasharva, urabakasibara, urabakala bakasibara, urabakala bakasibara, urabakala bakasibara, urabakala kasharva, urabakala bakasharga baga, urabakasharga la baga, urabakasha, 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 urabakasha. Urabakasha, 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 urabakalabaka, urabakasiki, rindala masinai, urialbada, uriabakalabaka, uriabakalibakalabasidivana, kondorubarikabana, kondorubarikabara divakaseva, kurondovakasevara, urodobakalabakaseva, urodakasevara, altianabana, altianbaran, altianbakana, altianbakaraba, ardianbakarabasha, ardianbakaraba, arabakasiva, uriabakalabaka, arabakalabakasevara, uriabakalabakasevara, uriabakaraba, keriabarabasiva, uriabakasevana, karabasitaraka, kubarabasivakasidamba, urialbajibakarabakan. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. En ton nom. In your name. En ton nom. In your name. Nous frappons. We strike. Toute chose. All things. Qui a été utilisée. That have been used. Pour freiner la marche des enfants de Dieu. To stop the walk of the children of God. Pour freiner la vie de prière. To stop the prayer life. Freiner la vie de jeûne. To slow down the life of freiner la vie de sanctification. To slow the life of sanctification. Freiner la vie de communion fraternelle. To slow down the life nous of jugeons les œuvres des méchants. We judge the wicked. Wicked. Nous détruisons tout avortement. We destroy abusement. Au nom de Jésus Christ. Name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Urabakashara bakala bakashara bakala bakashara baka. Urabakashara bakala bakashara baka. Urabakashara bakala bakashara baka. Urabakashara baka. Urabakashara bakara bakara. Urabakashara baka. Urabakashara baka. Urabakashara baka.
Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous frayons le chemin. You open the way. Devant chaque enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu. Before each child of God, each child of God. Même s'il est seul dans une brousse. Even to the lion in a bush. Même s'il est seul dans une nation. Even to the lion in a nation. Nous frayons le chemin devant lui. You open the way before him. Nous brisons les obstacles. You break the obstacles. Placés par les méchants. Placed by wicked. Les méchants. Wicked men. Qui pratiquent des envoûtements. That practice occultism. On continue à prier. Continue to pray. Urabakala masende kere maldali na banana. Uridal basse kabana. Lève ta main droite. Raise your right hand. Au nom de Jésus de Nazareth. Say in the name of Jesus Nazareth. Nous récupérons tout ce qui a été volé. We recover that has been stolen. À travers les formules d'envoûtement. Through formulas of bewitchment. Tout ce qui a été volé. All that has been stolen. À travers les enchantements. Through enchantment. Tout ce qui a été volé. All that has been stolen. Même si ça a été fait avec des sacrifices. Even it has been made with sacrifices. Même si ça a été fait avec beaucoup d'argent. It has been made with much money. Même si ça a été fait avec du sang humain. It has been made with human blood. Ou du sang des animaux. With animals' blood. Ou n'importe quoi que ce soit. Oh, no matter what. Nous détruisons le pouvoir. We destroy the power. Jésus a dit dans sa parole. He has said in his word. Je vous ai donné mon pouvoir. I've given you my power. Je vous ai donné mon pouvoir. I've given you my power. Nous détruisons. We destroy le pouvoir de l'ennemi. We destroy nous proclamons la victoire de Jésus. You proclaim the victory of Jesus. Nous proclamons la victoire de Jésus. You proclaim the victory of Jesus. Nous proclamons la victoire de Jésus. You proclaim the victory of Jesus. Nous proclamons la victoire de chaque enfant de Dieu. You proclaim the victory of child of God. La victoire de chaque enfant de Dieu. The victory of child of God. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Nous récupérons tout. We recover all. Tout. Nous renversons tout. You overthrow all. Nous cassons tout. You break all. Nous brisons tout. You break all. Nous libérons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Nous appelons. You call. Les guérisons divines. Divine healings. Que toutes les maladies. Qui sont venues. That have come. À cause de ces envoûtements. Because those beings. Disparaissent du milieu de nous. Disappear among us. Que toutes ces maladies. The all those diseases. Disparaissent du milieu de nous. Disappear now. Que les infirmités. Disparaissent. Disappear. Au nom de Jésus-Christ. Name Jesus Christ. Nous libérons les enfantements. You release birth. Les plus difficiles. The more difficult birth. Partout c'était impossible. Everywhere it was impossible. Nous libérons le possible. You release the impossible. Nous libérons les mariages. You rebel marriages. Partout c'était très difficile. Everywhere where it nous was nous libérons le possible. You release nous the proclamons impossible. Qu'à partir de maintenant. You proclaim that from now on. Il n'y a plus de situation impossible. There's no more any Jésus Christ a vaincu. Jesus Christ has overcome. Jésus a triomphé. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé. L'église a vaincu. L'église a triomphé. Je vois Satan tomber comme un éclair. Satan tombe comme un éclair. Je vois Satan tomber. Je vois Satan tomber. Comme un éclair. Je vois le peuple de Dieu libéré. I see the people of God free. Je vois le peuple de Dieu joyeux. I see the people of God joyful. Je vois le peuple de Dieu prospère. I see the people of God prosper. Je vois le peuple de Dieu victorieux. I see the people of God victorious. Je vois le peuple de Dieu uni dans le même amour. I see the people of God united in the same love. Oh, je vois le peuple de Dieu. Je vois le peuple de Dieu. Oh, I see the people of God. Dans les champs de victoire. In the song of victory, in the song of victory. J'entends entonner les chants d'allégresse. I hear the song, le triomphe, le triomphe. The song of triumph. Le triomphe accompagne le peuple élu. The triumph accompagne the people. Oh, rabba, priant là. Je vois la confusion. C'est assez confusion. Dans le camp des démons. Des camps de démons.
La terre s'ouvre. The earth is open. Et les engloutisse. To bury et them. Le nom de Jésus est célébré. And the name of Jesus is celebrated. Assieds-toi. Be seated. Calme. And keep silent. Tu te consacres à Jésus. Consecrate yourself to Jesus. Il est ton maître. He is your master. Il mérite tout. He deserves all. Le démon, lui, n'a pas besoin de rester tranquille. The devil doesn't need to remain calm. S'il veut partir, qu'il s'en aille. Même s'il ne veut pas, il doit partir. If he wants to go, he should go. Even if he doesn't want to go, he should go. Frère, l'ennemi a été touché dans les profondeurs. Brethren, the enemy has been touched the deepness. La victoire de ce soir. The victory of this evening. Grande victoire. Donne-toi à Jésus. Give yourself to Jesus. Fais-lui un vœu. Make a vow. Entre avec lui dans une alliance. Have a covenant with him. Librement. Freely. Librement. Freely. Et tous les démons qui sont cachés, qui se manifestent, ils s'en aillent. Now, how the demons that are hidden should manifest themselves and go. Manifeste-toi, va-t'en vite. Manifest yourself and be gone quickly. Esprit méchant, va-t'en. Wicked spirit, be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en, vite. Be gone, quickly. Donc tu t'opposes à la gloire de Dieu. You oppose the glory of God. Donc tu t'opposes au progrès du peuple de Dieu. That you oppose the progress of God, or the people of God. Va-t'en, vite, vite, vite. Be gone, quickly, quickly. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. How they be gone, how they be gone. Sors, va-t'en. Out and be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tu ne resteras pas ici. You not remain here. Tu ne touches à personne. You don't touch anybody. Tu ne fais du mal à personne avant de partir. Don't do any harm to anybody before you go. Tu ne suis personne. And when you go, don't follow anybody. Tu ne suis personne. Don't follow anybody. Tous les démons, hard demons, cachés par des anciennes alliances, hidden by the old covenants, cachés par les anciennes alliances, hidden by old covenants, cachés, dissimulés dans les anciennes alliances, hidden in all vous êtes brisé et vaincu. You are broken and overcome. Va-t'en, sors, va-t'en, sors, va-t'en. Be out and be gone, out and be gone. Tout de suite. Right now. Si tu as suivi quelqu'un, if you have followed someone, à cause d'une promesse qu'il a eu à faire. Because of a promise that he made. Et tu utilises les paroles qui sont sorties de sa bouche. And you the word that came out of his mouth. Va-t'en. Be gone. Va-t'en, vite, vite. Be gone quickly, quickly. Va-t'en, vite, vite, vite. Be gone quickly. Tu as suivi quelqu'un. You have followed someone. À cause des promesses de sa bouche. Because of the promise from his mouth. Et à cause de ça, tu résistes. And because of that, you resist.
Et on se demande qu'est-ce qui ne va pas. And we have been asking ourselves, what is wrong with him? What is wrong with him? J'ai exposé aujourd'hui. You are exposed today. J'annule cette promesse. I cancel that promise. Annulé. Cancel. Je proclame que c'est annulé. I proclaim it is canceled. Par le sang de Jésus. Through the blood of Jesus. Sors maintenant et va-t'en. Out now and go. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Si tu as suivi une femme, if you have followed a woman, à cause des pratiques occultes, because of her spiritism, sur son placenta sans qu'elle le sache, over a womb for her not to know it, ils ont pris, they took it, sont partis avec, and they went with it. Ça peut être un franc-maçon rosicrucien, une sorcier traditionnel, or a traditional witch. Je proclame la liberté. I proclaim freedom. Je te sépare de ce placenta. I separate from that placenta. Je commande aux démons qui t'ont suivi de partir. I command the demons that follow you to tout go. Tout esprit qui a reçu le sacrifice. Any spirit that received the sacrifice. Je le juge, je le renverse. I judge overthrow it. J'ordonne qu'il s'en aille. J'ordonne qu'il s'en aille. I ordain that you go. I ordain that you go. J'ordonne qu'il s'en aille. I ordain that you go. J'ordonne qu'il quitte ta vie. I ordain his departure. Sors et va-t'en vite. Out and begin quickly. Lève ta main droite. Dis-nous, brisons la résistance. So you pray resistance. Esprit méchant, même si tu ne sais pas où aller, va-t'en. Wicked spirit, even you don't know where you go. Begun. Le jugement de Dieu est contre toi. The judgment of God is against you. Tu ne resteras pas. You will not remain. Gardez le calme. Keep silent. Gardez le calme. Keep silent. Vous restez concentré. And remain concentrated. Ça permet au Saint-Esprit de travailler. It allows the Holy Spirit to work. Je proclame la liberté. I proclaim freedom. De toute personne qu'on a envoûtée parce qu'un parent a donné son nom. Of anybody that has been rich because a parent gives his name or gave his name. Un parent a donné ton nom. A parent gave your name. Dans des pratiques. In occultism. J'annule cet acte. I cancel that act. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'annule cet acte. I cancel that act. Je t'ordonne de partir. Va-t'en vite. I ordain you to go. Begin quickly. Oui. Yes. Dis, j'insiste. Say, I insist. Que je brise tout envoûtement. That I break all bewitchment. Pratiquez sur moi. Practice against me. Parce qu'un parent ou
un rival a donné mon nom quelque part. Because a rare gave my name somewhere. Et a donné une offrande à Satan. And gave an offering to Satan. Que cette offrande retourne contre lui. May that offering go back against him. Maintenant, toi, démon, qui voulait te cacher? Non, you demon, who wanted to hide yourself? Sors maintenant et va-t'en. How now and be gone? Jésus Christ. Jesus au Christ. Nom de Jésus Christ. C'est le nom de Jésus Christ. Prison où tu l'as prise. You break your grip. Au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jesus Christ. Si un enfant. If a child. Si un enfant. If a child. A été envoûté par ses amis. Has been bewitched by his friends. Envoûté par ses camarades. Bewitched by his comrades. Je brise cet envoûtement. I break the bewitchment. Démon, va-t'en, sors. Demon, go out. Ora bakasha. Ora bakasha, ora bakasha, ora bakasha, ora bakasha. Out! Gardez le calme. Keep silent. Dites au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si y a un esprit d'un mort. If there is a spirit of the death. Qui habite. That dwells. Dans un enfant de Dieu. In. Va-t'en! The child of God. Out! Gardez le calme. Keep silent. Gardez le calme. Keep silent. Gardez le calme. Esprit de mort. Spirit of death. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en, va-t'en. Begone, begone. Va-t'en, va-t'en. Begone, begone. Va-t'en, va-t'en. Begone, begone. Esprit de mort, esprit de mort. Spirit of death, spirit of death. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begone, begone. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si on a pratiqué contre quelqu'un. If they practice against someone. En utilisant les ossements humains. By using human bones. Nous brisons cet envoûtement. You break the bewitchment. Nous brisons cet envoûtement. You break the abusement. Tout esprit de mort. Any spirit of a man. Nous brisons cet envoûtement. You break the abusement. Brisons cet envoûtement. You break the abusement. Rabaka sharaka baga.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si quelqu'un a dit ton nom quelque part. If someone pronounces your name somewhere. Que cela te trouble dans les songes, les visions, des esprits sont derrière toi. And this trouble in your dreams, your vision, spirits are beyond you. Brisons cet envoûtement. You break the bewitchment. Le chassons de ta vie. You cast out of your life. Satan, retire-toi vite. You turn yourself quickly. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. How to be gone? Tu lèves ta main droite. You raise up your right hand. Si tu as déjà rêvé même une seule fois. If you have dreamed once. Que tu es dans une voiture qui t'amène quelque part. You are in a car that is taking you somewhere. Ou tu es dans une chambre fermée. Or you are in a closed room. Ou dans une clôture. Or in a wall. C'est une prison. It is a prison. L'envoûtement peut rester dans ta vie, toute ta vie. Tu ne meurs pas, mais tu es envoûté. It can be in your life, your whole life, but you don't die. Tu vas casser cette porte. You break that door. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Vous savez, il y a des moments où on ne dit pas sors, parce que tu es enfermé, toi-même tu es enfermé. There are some moments you don't say out. Because you yourself, you are closed up. Parfois, il y a d'autres personnes. Sometimes there are other people. Et tu peux être dans la même chambre avec la personne qui t'a envoûté. And you can be in a room with the same person who bewitched you. Donc, tu casses. So you break. Tu sors. You come out. Et la prison se referme sur la personne qui t'a amené là-bas. And the prison gets locked behind you. Beyond the person who sent you over there. Left hand right. Raise up your right hand. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je brise toutes choses. I pray all things. Je brise toutes choses. I pray all things. Je brise toutes choses. I pray all things. Cercueil. Bouteilles. Bottles. Maison. Prison. Prison. Tombe. Houses. Tombs. Toutes choses. All things. Je brise. I break. Je casse. I break. Je sors. I come out. Je laisse mes adversaires enfermés. I leave the adversaries be closed. Je sors avec les autres captifs. I come out with other captives. Je sors avec les autres prisonniers. I come with other prisoners. Je proclame la liberté des prisonniers. I proclaim the freedom of the prisoners. Prisonniers. Prisoners. Sortez au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Dis-nous, je renverse tout. I will break that tower. Sors dessus. So up and down, upside down. Dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je brise les verrous de fer. I break the irons. Je casse les portes des reins. I break. Je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Je fracasse cette voiture. I proclaim the doors. Je brise cette forêt. I bend le chemin. I open the way. Le chemin. The way. Que les eaux se dessèchent. I made the water dry. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Nuit. Possède les gens.
Some spiritual husband possessed people. Certains habitent. Some dwell. Loin, ils viennent de temps en temps. Live far, and they come sometimes. Si la prière est chaude comme ça, il n'est pas là. If the prayer is hot like that, he's not present. Non, nous allons tendre la main et frapper, même s'ils sont à des milliers de kilomètres. You stretch the hand and strike, even if it's 500 miles far away. Tu le frappes de paralysie. You strike him as if he become paralyzed. Qu'il ne voyage plus pour venir. He will not travel anymore to come. Tu l'enchaînes. You chain him. Tu le paralyses. You paralyze him. Tu le frappes d'aveuglement. Frappe d'aveuglement. You strike him. You strike him. Dieu, au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Mari de nuit, femme de nuit. Spiritual husband, spiritual wife. Où que tu sois. Or whatever je you te frappe d'aveuglement. I blind you. Je te frappe de paralysie. I strike you paralysis. Je t'enchaîne. I chain you. Je te garde prisonnier. I keep you as a prisoner. Jusqu'au retour de Christ. Until Jesus comes back. Je me fais te tourner. I put an end to your trouble. Vous voyez le feu l'a trouvé là-bas. The fire met him over there. T'as encore ta main dit, même si c'est 1000 kilomètres. Even if it's 1,000 miles, même si c'est plusieurs milliers de kilomètres. Even if it's 1,000 miles far away. Que le feu te trouve là-bas. May the fire of God find you over there. Paralysé. Paralyzed. Enchaîné. Chained. Frappé d'aveuglement. Strike blindness. Tes voyages. Your trips sont finis. Are finished. Gardez le calme. Keep silent. Dis-toi, esprit impur. Say you, impure spirit. Esprit de reptile. Spirit of reptile. Qui joue le rôle de mari de nuit? We place the role of spiritual husband. Tu voulais te cacher. You want to hide yourself. Toi aussi. You too. Serpent, toi aussi. Snake, you tu dois ramper. You must crawl. Sors, va-t'en. How to be gone? Sors, va-t'en. How to be gone? Nous mettons fin. You put an end. À tout mariage avec un serpent. To any marriage with a serpent. Nous mettons fin. You put an end, a hand. Maintenant même. Now. Tout mariage démoniaque. Any demon of marriage. Avec un serpent, avec les serpents. With a reptile, with a serpent. Avec les serpents. With serpents. Va-t'en. Be gone. Kalabakashara. Va-t'en. Be gone. Rampe, va-t'en. Cry and be gone. Rampez va-t'en. Cry and be gone. Rampez va-t'en. Cry and be gone. Kora bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashoro. Dis serpent.
C'est Snake. Rappel va-t'en. Crawl and begone. Ce mariage est fini. That marriage is over. Garde le calme. Keep silent. Demons beyond sickness. The demon. Say you demon. Esprit humain, esprit impur. Human spirit, impure spirit. Qui que tu sois. Wherever you are. Si tu es responsable d'une maladie. If you are the responsible for a disease. De loin comme de près. Far or closer. Tu es jugé. You are judged. Sors et va-t'en. How they begun? Nous te frappons. We strike you. Partout où tu es caché. Whatever you are hidden. Nous envoyons le jugement de Dieu. We bring the judgment of God. Contre vous, contre vous. Against you, against vous tous, vous tous, vous tous. You all, you all. Nous brisons votre association. You break the association. Nous brisons votre coalition. You break your coalition. Partez maintenant. Begone now. Que les yeux, le cœur, les reins. So purify le foie, les poumons. Les intestins, l'estomac. L'estomac. La rate, le pancréas. Red pancréas. Les seins, l'utérus. Breast, l'utérus. L'utérus. La gorge. L'appareil génital. L'appareil de reproduction. Reproductive apparatus. Que tout soit délivré. I'll be delivered. De votre emprise. Ça y a grippe. Nous prophétisons. You prophesize. Une santé totale. Total. Total health. Au nom de Jésus-Christ. Name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Name of Jesus les Christ. Os, la peau, les os, la peau. The bones les yeux, les oreilles. The eyes and ears. Délivrez de votre prise. Deliver from your grip. Continue à prier. Continue to pray. Tiens-toi debout, tu reçois ta guérison. Stand up and receive your healing. Dis par les maîtrises de Jésus. Through the word of Jesus, I'm healed. Oui, continue à proclamer, tu proclames. Yeah, continue to proclaim, proclaim. Dis, oh mon corps. So hold my body. Oh mon corps. Hold my body. Par les maîtrises de Jésus. Through the word of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Mon âme. My soul. Par les maîtrises de Jésus. Through the word of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Mon esprit. My spirit. Par les maîtrises de Jésus. Through the word of Jesus. Tu es guéri. You are healed. Guéri, guéri, guéri. Healed, healed. Guéri, guéri. Healed, healed. Par le sang de Jésus. Through the blood of Jesus. Guéri, guéri, guéri. Healed, healed. De la tête jusqu'à la plante des pieds. From the head to la the sole of la plante des pieds. From the head to the sole of my feet. Je proclame. Say I proclaim. Que je suis guéri. That I'm healed, I'm healed. Jésus guéri. Dis, Satan retire-toi. Satan withdraw yourself. Dis démon de maladie retire-toi. Satan demon sickness withdraw yourself. Et toi-même maladie. You are said sickness. Je te menace. Offrande d'acclamation. Clap offering. Nous avons besoin. We need. De cinq personnes. Five people pour rendre témoignage de ce qui vient de se passer ici. To testify about what have just happened cinq here. Personnes. Je me nomme Mbra Amoui Félicité. Mon faiseur c'est Michel Elika Benjaville. Je vais bénir le Seigneur qui va délivrer mon fils. Parce que disons, on n'a qu'à prier pour les envoûtements. J'ai un de mon fils, il ne sait pas où j'habite. Quand je lui parle, sa femme dit non, il ne faut pas écouter. Vrai, là, je ne sais pas comment faut faire. Mais cette prière, j'ai mis son nom devant. Que Dieu n'a qu'à le désenvoûter de tout ce qu'il a mangé.
Et Dieu m'a fait voir dans son ventre, c'est comme de l'eau noire. Dieu a séché. Un coup, j'ai vu comme fusil. C'est sorti de la flamme de sa bouche. Et j'ai vu que tout ce qui est dans son ventre, Dieu a lavé. J'ai vu son ventre propre. Je rends gloire à Jésus-Christ. Amen. Une vision authentique. An authentic vision. Qui va s'accomplir. That will be accomplished. Dieu lui a montré la délivrance de son enfant, le désenvoûtement. God showed him the debilitation of his of a child. Et cet enfant viendra danser ici un jour. And that child will come and dance here one day. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Onésu Irène, mon faiseur de disciples, c'est l'ancien écrat de Benjerville. Quand on priait tout à l'heure, l'homme de Dieu a demandé, il a dit qu'il nous séparait des placenta. Et Dieu a ouvert mon esprit, parce que moi, ma maman m'a accouché chez nous au village, mon côté paternel. Dieu a ouvert mon esprit, comme où ils ont enterré le placenta quand je suis née là, il y avait des plumes dessus. Et j'ai vu la main de Dieu en train de déterrer ce placenta-là. Donc, je vais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Victoire totale. Total victory. Désenvoûté. To be rich. Jésus Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. Et j'ai été désenvoûtée tout à l'heure. Là, depuis un moment, j'ai un problème au niveau de la gorge. Et quand je fais des examens, on m'a dit que j'avais des végétations. J'ai un genre de glaire qui est collé au niveau de la gorge qui ne sort jamais. Les médecins disent que ce sont des végétations et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai fait le traitement pendant longtemps, mais ça continue de persister. Et depuis hier, pendant qu'on priait contre les envoûtements, j'ai vu que la glaire revenait. Et tout à l'heure, j'ai reçu dans mon esprit que c'était un envoûtement et toute la glaire est sortie et ma gorge est libérée. Je voudrais Jésus Christ. Jesus Christ. La gorge est libérée. Amen. The throat is free. La végétation est sortie. Et je voudrais partager quelques visions. Je ne peux pas tout dire, mais quelques visions que j'ai vues avec le peuple de Dieu. Quand la première vision que je voudrais partager avec vous, c'est quand le pasteur nous a conduits dans une prière qui consistait à arracher toutes nos bénédictions, à arracher toutes nos bénédictions. Et au fur et à mesure que le pasteur commandait qu'on arrachait devant chacun, c'est comme si chacun, le Seigneur permettait à chacun de tout récupérer. Donc devant chacun, il y avait un colis. Il y avait un colis devant chacun. Un colis devant chacun. Et quand le Seigneur, quand le pasteur nous conduisait... Écoutons la suite. Quand le pasteur nous conduisait à frayer le chemin, c'était comme des gradins devant chacun qui ravageait tout l'aide. Je ne sais pas, tout ce qui était comme obstacle était dégagé au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le pasteur commandait, c'était comme un ordre qu'il donnait et systématiquement c'était exécuté. C'était des gradins qui ramassaient, qui dégageaient tout sur notre chemin pour que chacun arrive à ses bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir la sœur Cynthia Boka. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a désenvoûtée tout à l'heure. Et c'est à l'âge de 10 ans par là. Je ne savais pas que c'était un envoûtement. Nous étions dans un village à Djoukou. Et il y a une eau là-bas que les Djoukou adorent, qu'ils appellent qui connaît. Ma grande sœur m'avait envoyé dans la Neveu Champion au bord de cette eau. Quand je suis arrivée, il y avait un gros serpent. Quand je dis gros, c'est vrai, vrai gros là. Et le serpent avait fait un tas même qui dépassait ma taille. Et s'est décalé un peu, a élargi son cou, large comme ça. Quand je suis sortie sur le serpent, je suis sortie de dos. Frère, je suis restée figée comme ça. Peut-être pendant au moins une minute, je tremblais. Et c'est Dieu même qui m'a enlevé là-bas. J'ai commencé à courir de toutes mes forces. Et quand je suis sortie de là, j'ai oublié même, j'ai pas pu expliquer à ma grande soeur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lorsqu'on priait, papa était en train de juger les esprits de serpents, que j'ai vu le serpent, j'avais commencé à cracher. Et j'ai vu le serpent sortir de moi et venu au milieu ici. Et il y a des anges qui ont mis le feu là.
Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu. Et je veux dire merci au Seigneur. Délivrance authentique. Dieu délivrance. Délivrance authentique. En fait, délivrance. Délivrance authentique. Acclamons pour Jésus-Christ. En fait, délivrance. Let us clap for Jesus. Je suis la sœur Tébi Apôtre Sandrine. Je suis pour faiseur des disciples en soin l'Ouest Olivier. Au fait, je viens d'une famille très idolâtre. Et quand, à la maison, on avait reçu la visite d'un féticheur. Lorsque ce féticheur m'a vu, il m'a dit que j'avais 3 pygmées derrière moi et qu'on devait faire des rituels. Sinon, vraiment, mon parcours scolaire, ça allait être très difficile. Et c'est comme ça que mon oncle a accepté. Après ce rituel, les tenues qu'ils étaient le féticheur a pris ce rituel-là. Il l'a gardé avec lui. Il a pris les tenues. J'ai fait... Il a pris les tenues. Et après ça, j'ai fait un songe où ce même féticheur avait déféqué dans un seau et il a renversé sur moi. Mais ça, c'était avant la vraie repentance. Mais tout à l'heure, le Seigneur me faisait comprendre que quand je faisais ma repentance, en faisant la repentance, il m'avait désenvoûté de ce... il m'avait délivré que c'était un envoûtement. Mais je n'avais pas rendu témoignage et que je devais venir rendre ce témoignage. Parce qu'il faut dire que après le songe, franchement, j'étais devenue une prostituée de luxe. J'avais commencé à aimer les bonnes choses. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et depuis lors, j'ai été même infectée du VIH-Sida. Donc, c'est après la repentance que Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Oh, chers frères et sœurs, Jésus l'a fait. Jésus l'a dit. Il va le faire pour vous. Il dit for you too. Il va le faire pour vous. Il dit for you too. Il va le faire pour toi. Il dit for you. Jésus-Christ. Jesus Christ. Maintenant, la conclusion. Jésus-Christ, je voulais comprendre qui m'a rendu justice. Vraiment, j'aimerais lui dire merci. Pour son amour infini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Protégeons dans le sang de Jésus. Non, attendez. Protégeons dans le sang de Jésus tout ce que nous avons récolté ce soir. Les problèmes de la blood of Jesus, all that you have. Je vous dis la vérité. Harvested today. Ce soir est spécial. I'm telling the truth. Tonight, le jugement de, les jugements de Dieu sont entrés dans les entrailles de la terre. The judgment of God into the deepness of the earth. Les anges étaient là. Angels were present. Je dirigeais, c'est la première fois. The first time. Le Saint-Esprit m'a dit. The Holy Spirit told me. Il y a les serpents qui sont les maris de nuit. There are snakes that are spiritual husbands. C'était la première fois. It was the first time. Et vous avez vu le résultat. And we have seen the result. Dieu conduit l'église. God leads his church. Satan ne peut pas se cacher. Satan cannot hide. Père, nous cachons ces choses dans le sang de Christ. But we have those nous protégeons cet héritage. You protect this heritage. Que chaque victoire soit cachée dans le sang de Jésus. That may each victory be hidden in the blood of Jesus. Qu'aucun démon ne suive aucun de tes enfants. That no demon should follow any child of God. Nous bâtissons un mur de protection autour de chacun. You build a wall of protection against each one. Amen. Amen.